Pour confectionner une valisette avec un boîtier de cassettes vidéo, il vous faut des photocopies des albums de Tintin ou des photos au choix, un boîtier de cassettes vidéo, une feuille de support, une paire de ciseaux, de la colle liquide et en stick, et du biais ou des lacets. Premièrement, vous allez découper votre feuille de support aux dimensions de la feuille présente dans le boîtier et la recouvrir avec des cases de bande dessinée. Pour cela, créez un patchwork en collant ces cases avec de la colle en stick. Le plus facile est d'étaler de la colle sur la feuille de support et de venir y positionner vos cases de bande dessinée. Faites attention à coller vos cases de manière opposée en créant deux zones, tête en haut et tête en bas, car votre boîtier se replie. Puis découpez les vignettes dépassant de la feuille de support. Et positionnez votre feuille dans le boîtier. La partie la plus créative est de créer une bandoulière sur votre boîtier pour en faire une valisette. Je vous montre comment positionner le lacet avant de le coller. Celui-ci doit faire le tour de la tranche du boîtier en étant centré. Si vous regardez bien, les bouts du lacet doivent donc se retrouver dans le bas, à longueur quasiment égale. Maintenant que vous avez compris, nous allons passer à la phase du collage. Déterminez bien le milieu de votre lacet, positionnez-le sur la tranche du boîtier et commencez à coller un des côtés. Attendez la prise des deux matières et faites la même chose de l'autre côté. Pour que votre valisette puisse bien s'ouvrir, il ne faut pas trop serrer le lacet. Pour cela, prenez une mesure en ouvrant le boîtier le plus largement possible, puis calez le lacet sur le bord et collez-le. Continuez à coller votre lacet le long du boîtier en le faisant s'arrêter au milieu. Une fois que vous avez fini de faire le tour, coupez le premier bout, collez-le et faites de même pour le restant du lacet, en essayant de ne pas laisser d'espace entre les deux. Pour la finition, coupez les bouts des lacets restants et continuez à faire le tour du boîtier. Si par chance, la largeur de votre boîtier est trois fois supérieure à votre lacet, amusez-vous à faire plusieurs bandoulières, de la même façon que la première. Pour agrémenter votre valisette, vous pouvez aussi y coller des choses, des coquillages par exemple. Collez le bord du coquillage et disposez selon vos envies, des petits, des plus gros et même une étoile de mer.
et finissez en choisissant un billet coordonné. Vous pouvez maintenant y ranger vos affaires personnelles et montrer à vos amis comme il est simple de recycler un boîtier de cassettes en valisette.